Invitée dans Quotidien lundi 29 avril, Inès Reg est revenue sur son aventure dans Danse avec les stars. Un entretien explosif où après avoir accusé Natacha Saint-Pierre d'avoir profité du clash pour gagner l'aventure, elle s'est attaquée à Caroline Marjorie donc qui aurait menti. Vous pensiez que la 13e saison de Danse avec les stars était finie? C'était sans compter sur Yann Barthès et Cyril Hanouna qui recevaient ce lundi 29 avril respectivement Inès Reg et Natacha Saint-Pierre dans Quotidien et TPMP. Une manière d'apaiser les tensions après la victoire de la Canadienne lors de la finale du concours de danse? C'est tout le contraire qui s'est produit suite aux nouveaux propos d'Inès Reg. Sur TMC, l'humoriste a notamment accusé Natacha Saint-Pierre d'avoir provoqué le clash pour remporter l'aventure. Des propos transmis presque en direct par Cyril Hanouna à Natacha Saint-Pierre, qui sur le plateau de C8 a donné sa version des faits. Mais la partenaire d'Anthony Colette n'a pas été la seule à être citée par la comédienne, qui s'en est aussi pris à Caroline Marjorie donc. Lors de la finale de Danse avec les stars, une scène entre Inès Reg et l'acheteuse d'affaires conclue aurait été coupée au montage. C'est en tout cas ce qu'ont avancé nos confrères du Parisien. Le sujet a été remis sur la table par Yann Barthès qui a voulu obtenir une réponse d'Inès Reg. Concernant cette séquence filmée peu après l'annonce de son élimination, elle a confié, « Moi je ne savais pas, parce que pour vous dire la vérité, quand j'ai fini la finale, je suis parti directement à l'aéroport avec mon équipe et on est parti passer le week-end à Marrakech pour fêter notre aventure d'Al, mais on m'a dit qu'un moment avait été coupé mais je n'ai fait que pleurer et être ému donc je ne sais pas. » Caroline Marjorie donc a-t-elle menti comme l'affirme Inès Reg? Quand le présentateur lui a demandé de façon directe si elle l'avait envoyé chier, Inès Reg s'est montrée beaucoup plus claire, « On dit que j'ai envoyé chier Caroline Marjorie donc. Non c'est pas vrai. » Et d'enchaîner, « Par contre je peux vous dire que Caroline Marjorie donc ne m'aime pas. » Pour étayer ses propos, l'ex-femme de Kevin Debonne a accusé l'antiquaire d'avoir menti au moment de la révélation de son clash avec Natacha Saint-Pierre, on sait que Caroline Marjorie donc a des infos que personne n'a. Caroline Marjorie donc a dit qu'elle était là le jour où Natacha m'a dit que j'étais une petite salope. C'est pas vrai, elle n'était pas là. Un clash qui n'a pas fini de faire parler.